Affluence des petits soirs ce mardi à Antares. Guère plus de 3600 spectateurs pour assister à cette rencontre entre le MSB et les Allemands d'Oldenburg, champions d'Allemagne en 2009. Sous l'impulsion d'Alex Acker, auteur des 6 premiers points de son équipe, le MSB prend un premier ascendant psychologique sur la rencontre. Avec également un Alain Kofi qui ne veut pas être en reste le soir de son 27e anniversaire, les Manceaux se retrouvent avec 14 points d'avance à la fin du premier quart-temps, 22 à 8. Les Allemands font preuve d'un manque d'adresse rarement atteint à ce niveau de la compétition, 13% seulement de réussite. Les hommes de Gigi Jackson restent eux bien dans la partie, 50% à 2 points, 38% à 3 points. Le MSB regagne les vestiaires avec 17 points d'avance, 41 à 24. Durant la troisième période, les coéquipiers de JP Batista non seulement maintiennent leur écart, mais l'accentuent même, plus 23, 67, 44 à la bord de la dernière période. 10 dernières minutes durant lesquelles le MSB fait le métier, fin de match en roue libre et au final, une victoire 84 à 60 qui fait bien sûr du bien au moral, même si en face, il faut bien le reconnaître, l'adversaire était faible, très faible. C'est un peu une libération parce qu'on commence à se poser des questions. Ne pas gagner des matchs, défensivement on était bien, mais on n'avait pas de réussite en attaque. Et là, ce match, le gagner avec un tel écart, ça nous donne un peu de confiance et on espère continuer comme ça ce vendredi. Alex Acker termine meilleur joueur de la rencontre avec 21 points, 7 rebonds et une évaluation finale de 25.